ماذا لو أن الكفاءات الجزائرية من كافة أنحاء العالم تجتمع معا؟ ماذا لو أن هذه الأدمغة بمختلف تخصصاتها تتكاثف لتطوير التعليم والبحث العلمي للنهوض بالجزائر في مختلف المجالات؟ هل تعتقد أن هذا مستحيل؟ أبدا، فالحلم يتحول إلى حقيقة من خلال الشبكة العالمية للعلماء الجزائريين إناس. رغم أن إناس هي مؤسسة غير ربحية وتعتمد فقط على تبرعات الأفراد، إلا أنها استطاعت أن تبني جسورا من التعاون وتبادل الخبرات بين أبناء وطننا الحبيب من الداخل ومن مختلف بلدان العالم، ساعية لصقل المهارات واحتواء المواهب وتبادل الخبرات وإيصال التجارب النافعة لخدمة الوطن. Bonsoir mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre dans ce dernier webinaire de cette année en 2022 de notre projet Advances in Geoenergies and Renewables. C'est Mohamed Amrouche, le leader de cette initiative avec le réseau INAS, International Network of Algerian Scientists, où on essaye d'inviter chaque mois des experts dans le domaine d'énergie afin de partager l'expertise et de démystifier un peu ce qui se fait dans ce domaine avec le grand public. Donc, pour ce dernier webinaire de cette année, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir Madame et Docteur Isabelle Moretti. Bonsoir Madame, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Non, mais merci, je suis ravie. Merci Madame. Donc, je vais essayer juste de faire une petite biographie de notre présentation, de notre keynote speaker aujourd'hui. Donc, Docteur Isabelle Moretti est titulaire d'un doctorat en sciences de la Terre d'une thèse d'État sur la modélisation de l'ouverture des rifts. Elle débuta sa carrière en 1987 à l'Institut français du pétrole, IFP, où elle travaille sur la modélisation de bassins et de la déformation dans le croûte supérieure terrestre et développe des outils de restauration en 2D puis en 3D. De 1986 à 2012, elle entremêle ses activités de recherche avec des travaux d'entreprise pour l'industrie Total, CEPSA et YPFB. En 2012, elle rejoint le groupe PNG en tant qu'experte, puis passe à la direction de la recherche comme directeur de technologie, puis directrice scientifique. Et elle est alors en charge du choix des technologies de demain pour de nouveaux mix énergétiques, énergie renouvelable, hydrogène et territoire ainsi que bâtiments intelligents. Docteur Isabelle Moretti est auteure de plus de 120 articles scientifiques. Elle est administratrice à l'INERCI et au BRGM. Elle préside l'organisme européen de recherche sur le gaz GERG. Et aujourd'hui, elle nous fait le plaisir et l'honneur de partager une présentation sur l'hydrogène sous le titre de « L'exploration et la production d'hydrogène naturel a commencé. Pourquoi, où et avec qui ?» En anglais, « The exploration and production of natural hydrogen has started. Why, where and by who ?» Docteur Isabelle, vous pouvez, the floor is yours. Merci et bonjour à tous. Donc, en effet, comme on vient de vous le rappeler, là, j'ai d'abord travaillé dans l'industrie pétrolière, ensuite dans toutes les énergies renouvelables. Et maintenant, en fin de carrière, comme j'arrive à mélanger un peu... deux choses qui m'intéressent beaucoup, le sous-sol, la géologie, et l'énergie décarbonée. Et nous voilà avec l'hydrogène naturel. Alors, je ne sais pas très bien, vous devez avoir des backgrounds chacun un peu différents sur la question. Donc, je vais essayer de partager avec vous ce qu'on commence à comprendre sur les générations de l'hydrogène naturel et puis ce qui se passe, puisque maintenant, ça va très très vite en ce moment. Il y a des licences d'exploration de l'hydrogène qui sont en train d'être prises un peu partout, enfin dans certains pays où la loi le permet. Alors pourquoi l'hydrogène naturel, hein? On sait que l'hydrogène a beaucoup d'avantages parce que quand on le brûle, ça fait que de l'eau et il a une densité énergétique qui est assez forte. Par ailleurs, si on veut stocker de l'électricité, passer au gaz, c'est une bonne idée en général, parce que le gaz, on sait bien le stocker beaucoup mieux que l'électricité. Mais actuellement, il y a un problème, c'est que l'hydrogène qu'on fait à partir des énergies fossiles, que ce soit le méthane ou le charbon, c'est efficace, c'est pas cher, et ça émet du CO2. Et celui qu'on fait avec les électrolyseurs, ça consomme de l'eau, ça consomme de l'électricité et ça fait un hydrogène qui est plus cher.
Donc, on a une recherche d'autres types d'hydrogène décarboné. Et dans ce paysage, l'hydrogène naturel a toutes les chances, enfin, est déjà moins cher que le moins cher de ce qu'on a actuellement. Quand vous faites de l'hydrogène en steam methane reforming, par exemple, donc en cassant la molécule de CH4 en présence d'eau à assez haute température, que vous avez l'hydrogène quasiment le moins cher du marché actuellement, bon, le charbon peut être aussi peu cher, vous avez un tiers du prix qui vient du gaz, un tiers de l'énergie qu'on va mettre pour casser la molécule vers 800 degrés, je vous disais, et puis un tiers pour nettoyer après, parce qu'on n'a pas de l'hydrogène pur quand on fait ça. Et en fait, si on arrête, si on arrive à produire l'hydrogène comme on produit le gaz naturel, ben évidemment, on va pas avoir cette étape de chauffe et on aura un hydrogène qui sera au moins un tiers moins cher. En fait, là où la production a commencé, même si elle est artisanale, c'est encore moins cher que ça. On parle en quelques dizaines de centimes. Alors, on va balayer un peu progressivement pendant cette petite heure différents points. Je vais vous expliquer un peu pourquoi on est arrivé à se convaincre que il y avait assez d'hydrogène naturel en subsurface pour faire une production et une production à des fins industrielles. Et puis, quels sont les outils qu'on a actuellement pour commencer l'exploration? Ici, le puits que vous voyez, c'est un puits au Mali de la société Petroma, donc qui produit déjà de l'hydrogène là-bas. Le fait que la Terre génère de l'hydrogène, on sait depuis longtemps. Là, vous avez un film de ce qu'on appelle les vents au milieu de l'océan Atlantique. Donc, ce sont des fumeurs. Ils peuvent être noirs ou blancs selon le soufre. Et il y a des vapeurs chaudes qui sortent en permanence. Et dedans, bon, il y a de l'eau chaude, mais sinon, c'est essentiellement de l'hydrogène. Vous voyez les flux et ça fait entre 50 jusqu'à 70% d'hydrogène là dans ce vent. La quantité, elle est assez importante. Vous voyez, ça a été estimé à environ 1 milliard de mètres cubes par an, enfin 10 milliards de mètres cubes par an, 10 millions, je vais y arriver, de mètres cubes par an. Et donc, si on regarde ça, en fait, avec l'ensemble des rythmes médio océaniques, on dépasse la consommation mondiale actuelle de l'hydrogène qui est de l'ordre de 100 millions. Mais de tonnes. Et mais là, bon, on est au milieu des océans, c'est pas très pratique. Donc, on va essayer de voir si la réaction un peu similaire peut se faire à terre. Alors, d'où il vient cet hydrogène au milieu des océans? Ben, il vient simplement de l'oxydation de l'eau livine et de la réduction de l'eau. Et la réduction de l'eau, ce sera toujours le mot clé. Il y a d'autres types de réactions qui peuvent former de l'hydrogène. On va casser la molécule d'eau, soit en oxydant une roche, soit ça peut être aussi par la radiolyse. Là, vous avez deux types de réactions qui peuvent se faire selon qu'on est dans un contexte plutôt mantellique avec de l'eau livine ou plutôt cristal avec des basaltes ou des gabbros. Et cette réaction se fait tous les jours. L'eau de la mer, en l'occurrence, va s'infiltrer et rentrer en contact avec l'eau livine, enfin les roches mantelliques de façon générale, qui arrivent au niveau des rythmes médio-océaniques, qui n'ont jamais vu d'oxygène de leur vie et qui immédiatement s'oxydent et libèrent l'hydrogène de l'eau. Là, je ne vais pas trop vous embêter avec des équations, mais ça vous donne une idée un peu de l'ensemble des réactions qu'on connaît actuellement et qui génèrent toutes de l'hydrogène. Et vous voyez qu'à chaque fois, il y a l'eau en présence. On peut réduire l'eau en oxydant directement du fer à proximité de mines de fer. On le verra tout à l'heure pour le cas de l'Australie. Il y a la serpentinisation que je viens de décrire sur du matériel océanique, dans les zones hydrothermales aussi. Et puis, dans les granites, on peut aussi oxyder certains éléments.
Il y a la radiolyse que je vous citais, donc la radioactivité naturelle de la Terre va émettre des rayons alpha, bêta, gamma, et ça va casser la molécule d'eau s'il y en a à proximité. Donc c'est les grandes réactions. Après, il y a une autre façon de produire de l'hydrogène que j'ai oublié de rajouter là sur cette slide, c'est la maturation tardive des roches-mères. Vous savez peut-être que quand on chauffe du charbon, quand on chauffait du charbon, par exemple, il y a 100 ans pour faire du gaz de ville, le gaz de ville, il contenait pas mal d'hydrogène. Et donc, la maturation tardive des roches-mères génère aussi de l'hydrogène, un mélange de gaz qui contient pas mal d'hydrogène. Donc, ça commence à être bien mis en évidence dans certains bassins et peut-être que pour l'Algérie, ce sera aussi une source d'hydrogène. On peut aussi oxyder le H2S ou le NH3 et c'est peut-être plus anecdotique au niveau des quantités. Alors, où est-ce qu'on sait qu'il y en a sur la Terre? Parce que donc au niveau des rides médio-atlantiques, là par exemple, on a vu le film tout à l'heure, bon, il en sort tout le temps, mais on sait tous que forêt en mer, ça coûte beaucoup plus cher que forêt à terre, et puis en plus, transporter l'hydrogène, ce n'est pas trivial, donc s'il faut traverser la moitié de l'Atlantique pour rejoindre le premier consommateur, ce n'est pas idéal. Mais par contre, ben, finalement, cette ride médio-atlantique, quand elle arrive en Islande, un peu plus au nord, là, ben, elle a un peu les mêmes caractéristiques. Donc, c'est des choses qui peuvent se regarder. Est-ce qu'il y a de l'hydrogène en Islande avec les mêmes réactions de serpentinisation ou d'oxydation de quelque chose? On voit que, enfin, on sait que aussi l'ouverture de la mer Rouge, du golfe d'Aden, tout ça vient se terminer dans l'ouverture du rift africain, est-africain. Et donc là aussi, on a des possibilités d'avoir des contextes similaires à ce qu'on a au milieu des océans, mais à terre, et c'est intéressant pour aller tester la possibilité d'en produire. Après, vous voyez qu'il y a un certain nombre de points roses qui sont complètement dans des cratons, à terre et tout ça, et là, c'est une autre chose, c'est aussi de l'oxydation du fer qui se précise, mais pas sur du matériel océanique. Alors, de fait, en Islande, j'avais une de mes étudiantes qui a travaillé là-dessus il y a 2 ans, ben on observe la même chose, c'est-à-dire que ces hautes valeurs de contenu en hydrogène qu'on observe pour la rite médio-atlantique, on les observe aussi en Islande. Il y a pas mal de puits en Islande, vous savez que c'est une zone très riche d'un point de vue géothermal, et donc dans c'est juste de la vapeur d'eau, hein, qui sort, il y a des gaz dissous, ou sous forme gazeuse d'ailleurs, et dedans, il y a pas mal d'hydrogène qu'on pourrait séparer, puisque de toute façon, actuellement, on sépare les gaz, en particulier le CO2 et l'H2S, pour le réinjecter. Actuellement, l'hydrogène est largué aux petits oiseaux, mais des gens commencent à réfléchir à le séparer et en faire un produit commercial. Quelle est la réaction qui se produit? Ben, c'est un peu la même que sur les rides médio-atlantiques, sauf que là, c'est de l'eau de pluie ou l'eau des glaciers qui s'infiltre, qui va rentrer en contact avec le matériel chaud, le corps magmatique qui est en train de monter, et puis ça ressort. Bon, j'ai oublié de vous dire, mais je pense que beaucoup d'entre vous le savent, hein, si l'Islande affleure, c'est parce qu'actuellement, en Islande, il y a la conjonction d'un hotspot et de la ride médio-atlantique. Et donc, toute la chaleur supplémentaire et le matériel volcanique supplémentaire amené par le hotspot fait que ça affleure. Mais on voit la ride médio-atlantique là, qui arrive à l'ouest et puis qui se continue ensuite au nord. Sur le rift est-africain, le point triple entre le golfe d'Aden, la mer Rouge et la partie nord du rift est-africain, ben, on a un contexte un peu similaire. Bon, là, les points rouges, ce sont les tremblements de terre. La photo que vous voyez au-dessus, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais là, c'est l'endroit qui est complètement désertique. C'est le Goubet, donc c'est l'endroit où le golfe d'Aden passe à terre avant d'aller sur le lac Assal. C'est une zone avec un flux de chaleur très élevé, des failles normales de part et d'autre. Donc, c'est vraiment un rift océanique, c'est que des basaltes qui sont en train d'arriver à terre. Et
la même façon, un de mes étudiants, là, qui d'ailleurs soutient sa thèse la semaine prochaine, a travaillé là-dessus. Il a aussi travaillé un peu plus au sud, là, vous le voyez, sur le rift est-africain, le long des failles normales aussi, où dans les fumerolles qui sortent là, on mesure l'hydrogène. Et donc là, c'est aussi un contexte où on peut faire une production conjointe d'hydrogène et d'électricité dans des champs géothermaux et en séparant les gaz. Et bon, c'est un intérêt économique évident, hein, si on n'a pas, si le forage est déjà payé par la géothermie, il n'y a plus qu'à séparer les gaz, ou inversement, si la géothermie n'arrive pas à passer la rampe économiquement, le fait d'avoir de l'hydrogène dedans permet d'équilibrer le système. Alors, les roches océaniques, quand elles se créent, donc elles peuvent s'oxyder, on vient de le voir, ben après, elles vivent leur vie et puis elles peuvent finir dans des collisions, des montagnes. Et c'est ce qui est connu en Oman depuis longtemps. Là, vous avez une image de l'Oman dans les nappes ophiolitiques. Et vous voyez cette espèce de croûte blanche. Alors, ce n'est pas de la pollution, hein, c'est réellement une croûte et ce n'est pas un travertin au sens classique du terme, c'est-à-dire une roche chimique avec un flux de CO2 qui vient le long d'une faille et qui précipite. Ça, c'est tous les travertins italiens qui font toute l'architecture romaine. Ici, en fait, le CO2, c'est un CO2 qui vient de l'atmosphère, c'est un flux d'hydrogène qui vient de profondeur, qui amène des bonnes conditions de pH pour faire un captage naturel du CO2 et de l'atmosphérique et qui se dépose sous forme de carbonate. On observe un peu la même chose en Nouvelle-Calédonie, aux Philippines et en Turquie, avec des zones de subduction et de la collision qui amène des nappes ophiolitiques à l'affleurement. Il y a une autre zone qui peut s'oxyder dans ces zones de subduction, c'est le wedge mantellique qui est entre la plaque obductante et la plaque chevauchante. Et là aussi, on a une génération d'hydrogène qui entraîne qu'en surface, en fait, on a un mélange d'hydrogène, d'azote, dans des proportions variables en fonction de où on est par rapport aux nappes ophiolitiques et aux wedges mantelliques. Enfin, en dehors de tous ces détails, ce qu'il faut retenir, c'est que toutes les nappes ophiolitiques, elles sont encore capables de générer de l'hydrogène et on en observe systématiquement. Il y en a aussi dans l'Est de l'Europe, il y en a dans le Sud de l'Espagne et c'est une des cibles de beaucoup de compagnies. Donc, la serpentinisation, mais pas que, et l'ophiolitique, tout ça pour des roches d'origine océanique. Maintenant, il n'y a pas de roches océaniques au Mali. Au Mali, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu dans un petit village, les gens ont foré pour trouver de l'eau. Ils n'ont pas trouvé d'eau, ils ont abandonné le puits. Après, ça a explosé et ils se sont rendus compte qu'ils avaient trouvé de l'hydrogène. Bon, ça a pris un peu de temps, mais M. Diallo, que vous voyez sur la photo au milieu en bas, là, a créé une compagnie qui s'appelle Hydroma, et qui maintenant est en train de faire la délinéation de ce champ. Ils ont fait une vingtaine de nouveaux puits pour savoir quelle est la quantité d'hydrogène qu'ils ont. En attendant, l'hydrogène qui sort du premier puits, il est brûlé pour faire l'électricité de ce petit village qui n'avait pas d'électricité avant. Donc exactement le contraire de ce que certains font en Europe, où on utilise l'électricité pour faire l'hydrogène. Eux, ils ont de l'hydrogène et ils l'utilisent pour faire de l'électricité. Et c'est juste une turbine qu'ils emploient. Ils ne sont pas passés par la fuel cell. Bien que l'hydrogène soit très pur, il est à 96%, mais il faudrait le raffiner encore plus si on veut passer sur une pile à combustible. Il y a d'autres endroits où des émanations d'hydrogène ont été vues, dans des cratons aussi. Et l'histoire a un peu commencé en Russie, quand j'étais encore à l'IFP il y a une quinzaine d'années, il y a des chercheurs russes qui sont venus nous voir et qui nous ont dit « Ah, mais il y a des émanations d'hydrogène là, pas loin de Moscou,
tous les collègues ne veulent pas nous croire, venez, et puis avec vos propres appareils, vous ferez votre idée. Et donc, c'est comme ça que Alain Prinzhofer et Eric Deville sont allés pour la première fois dans cette zone-là de Russie et ont vu qu'en effet, il y avait ces espèces de dépressions étranges qu'on a appelées entre nous des rondes sorcières ou des cercles de fées, enfin, chacun son petit nom, et dans lequel il y a toujours quelques mètres de dépression et des émanations d'hydrogène. À partir du moment où on a compris qu'il y avait une relation entre ces dépressions et cet hydrogène, on s'est mis à aller chercher à d'autres endroits de la planète. Et donc là, on est au Brésil, on est sur le bassin de San Francisco. C'est un très ancien craton, lui aussi, et qui est entre deux... Voilà, là vous avez un double Foreland. C'était une coupe est-ouest à travers le bassin de San Francisco, avec des thrusts à l'est, des thrusts à l'ouest. Et c'est peut-être un peu flou, vous ne voyez pas trop, mais en tout cas, les roches qui sont impliquées là-dedans, elles ont 2 milliards d'années, entre 3 et 2 milliards d'années. À l'époque, il n'y avait pas trop d'oxygène sur Terre et il s'est déposé énormément de roches très riches en fer, qu'on appelle les BIF, les Banded Iron Formation, et qui ont pu se déposer parce que quand vous n'avez pas du tout d'oxygène, le fer devient soluble dans l'eau et puis quand il en arrive un peu, il va se déposer au fond et on a comme ça toutes les grandes mines de fer, elles sont sur des roches anciennes. Donc ici, vous avez du fer, donc une possibilité d'oxyder quelque chose et un Foreland, donc... Si la plupart d'entre vous ont travaillé pour l'industrie pétrolière, vous savez que la migration sur le longue distance, c'est possible à partir du moment où on a un pendage. Alors, c'est bien de savoir qu'on a de l'hydrogène, c'est encore mieux de savoir si on a vraiment un flux d'hydrogène et quelque chose qui se remplit de façon continue. Au niveau du Mali, ça fait 8 ans qu'ils produisent et en fait la pression dans le puits, elle n'a jamais diminué. Donc, les gens sont assez optimistes sur le fait qu'ils se rechargent continuellement. Et de fait, on sait que la cinétique de réduction de l'eau par oxydation, c'est une cinétique rapide. On peut le faire en laboratoire en quelques jours sans monter très haut en température. Donc là, vous avez ce rond de sorcière qui, en fait, se voit souvent par des zones... Ils sont un peu en dépression, mais surtout, ils sont sans végétation. Vous avez Alain Prinzhofer, là, sur la photo. On a développé à NJ, enfin, quand j'y étais encore, mais il y a eu des nouvelles versions depuis, des capteurs permanents. Et donc, on les a installés sur ce rond. Et ça envoyait, donc, ça mesurait l'hydrogène dans le sol une fois par heure. Et puis, ça envoyait le signal à une antenne passée par un satellite et ça finissait sur nos ordinateurs et nos téléphones portables. Et on voulait voir comment sortait l'hydrogène, est-ce qu'il sortait toute la journée, de temps en temps, etc. Après, on avait commencé avec 10 capteurs, ensuite on en a mis beaucoup plus. Là, vous voyez tous les points bleus, ce sont des capteurs, il y en a une centaine qui a été installée sur cette structure. La façon dont c'est installé, il y a un petit schéma là, en fait on creuse un petit trou avec une chignole, comme quand on fait un trou dans le mur, sauf que la mèche elle fait 1 mètre de long, et une fois qu'on a fait le trou, on installe un tube dans le sol qui a des trous au bout. Et en surface, dans le petit boîtier, il y a une pompe et un capteur d'hydrogène. Et donc, une fois par heure, la pompe se met en marche, pompe l'air qu'il y a dans le sol et l'analyse. Et puis voilà, ensuite, il reste tranquille pendant 1 heure et puis il s'y remet. Et voilà ce qu'on a eu. Donc, on était assez étonnés au début. Donc, ici, vous voyez, les lignes rouges et violettes, là, c'est les mêmes en fait. Mais c'est deux échelles différentes. Sur la droite, vous avez une échelle qui va de 0 à 250 et dans lesquelles on voit de jolis pics toutes les 24 heures. En fait, on a un signal qui est lié à la variation de pression atmosphérique. Ça a été, au début, on ne comprenait rien, mais depuis, on a fait les calculs.
On a un pompage, une respiration du sol qui vient de la pression atmosphérique et l'hydrogène, donc en général, sort à midi. Sauf quand il y a un gros pic d'hydrogène, et ici, le pic au niveau de l'échelle, il vaut mieux regarder la courbe rouge. Encore une fois, c'est la même, mais c'est pas la même échelle. Et là, on monte beaucoup plus haut. Et ça, c'est un pic qui dure quelques jours. Vous voyez, les chiffres en dessous, ce sont les jours. Donc, du 1er décembre, 6 décembre, 11 décembre, etc. Donc, le fonctionnement de ces rondes sorcières, c'est qu'il sort de l'hydrogène, il en sort un peu tous les jours, et puis, de temps en temps, il sort un gros paquet d'hydrogène qui doit re-remplir certainement le sol un peu partout, et ensuite, ce qui est dans le sol ressort de façon cyclique tous les jours en milieu de journée. Si on regarde les longueurs d'onde de ce signal à plus grande échelle, la courbe en bas qui est entièrement en rouge, c'est la somme de tous les capteurs. C'est pas bien de sommer des concentrations, mais comme toutes les données sont prises avec de la même façon, ça nous donne bien les cycles. Vous voyez le petit cycle de 24 heures et puis des cycles plus longs sur une semaine, 2 semaines. Là, on parle en jours, 20 jours, 40 jours, etc. Donc, après, si l'hydrogène vient de l'eau, on pourrait essayer de corréler ça avec de l'eau de pluie et la densité de la précipitation. Mais comme on ne sait pas d'où vient l'hydrogène exactement, c'est pas évident à ce niveau-là. Parce que justement, la possibilité pour l'hydrogène de migrer à longue distance. Au début, les gens disaient toujours l'hydrogène, c'est pas soluble dans l'eau, donc on ne va pas. Il faut chercher l'hydrogène au-dessus de l'endroit où il est généré. Maintenant, on s'est rendu compte que c'était faux. En fait, quand on est à basse température et basse pression, c'est vrai que l'hydrogène n'est pas soluble dans l'eau. Là, ce que vous voyez, c'est la solubilité en fonction de la profondeur, en prenant un gradient normal de température et de pression. Et les couleurs noir, rouge, bleu, vert, ça dépend de la salinité. Donc plus il y a de sel, moins il y a de place pour l'hydrogène quelque part, donc moins l'hydrogène est soluble. Mais tout de même, vous voyez que dans de l'eau douce, à 3 km de profondeur, on peut mettre 20% d'hydrogène dans l'eau. Donc c'est quand même des grosses quantités. Et ça veut dire qu'on peut... L'hydrogène peut migrer dans un aquifère et puis dégazer quand l'aquifère se rapproche de la surface. En dessous, vous avez une comparaison entre la solubilité de l'eau et de l'hydrogène, pardon, et du méthane. Et vous voyez que passé 1,2 km, l'hydrogène est beaucoup plus soluble que le méthane. Donc encore une fois, c'est intéressant parce que on a tous l'idée que l'hydrogène étant un gaz très léger, il va monter uniquement verticalement, mais si en fait il se déplace dissous dans l'eau, il peut se déplacer sur des grandes distances. Alors au Brésil, on a donc, je vous ai montré ce Forland, on pense, enfin on est certain à penser en tout cas que l'hydrogène il vient plutôt de la partie profonde du Forland et il migre vers la partie plus sommaire. Et puis on se retrouve avec ces zones là, vous voyez la zone en blanc. Alors le point bleu en étoile, c'est celui qu'on a monitoré, mais des rondes sorcières comme ça, il y en a des dizaines et des dizaines d'autres, en fait, il y en a des centaines. Et quand on va encore plus, on dézoome encore, celui qu'on a monitoré, c'est celui sur la zone rouge, le point bleu sur la zone rouge, mais vous voyez qu'il y a aussi tous les points jaunes, tous les points bleus foncés. Donc il y a des milliers de rondes sorcières comme ça. Donc c'est une zone où vraiment, il y a des kilos et des kilos, enfin des tonnes d'hydrogène qui sont perdues tous les jours. Et donc, maintenant, c'est à nous de trouver une accumulation en profondeur. Donc, c'est une stratégie pour démarrer l'exploration, c'est de regarder s'il existe ces petites structures qu'on voit parfaitement sous Google Earth et de regarder si à proximité, il y a une roche qui peut s'oxyder. Et puis de commencer l'explo là-dessus. J'ai jamais regardé sur la carte de l'Algérie, mais c'est possible qu'on en voit. Ici, vous avez une image qui est aux États-Unis, où c'est plutôt des ellipses, et on les voit très très bien là parce qu'on est sur une image LIDAR et non pas sur une image Google Earth.
Pendant le Covid, on a tous passé du temps sur nos ordinateurs, en tout cas en France, et donc on s'est rendu compte que s'il y avait un endroit où il y en avait plein de ces structures, c'était bien l'Australie. Et ça, c'est Kangaroo Island. Et comme l'Australie est un pays fabuleux où toutes les données de subsurface sont publiques et où on peut y accéder tranquillement, on a vu toutes ces structures, on a cherché les données qu'il y avait dans le coin et on s'est rendu compte qu'il y avait un puits, le petit triangle jaune là, qui avait déjà trouvé de l'hydrogène il y a quelques années. Un peu plus au nord, York Peninsula, exactement la même chose, des structures de partout et un puits qui a été foré dans les années 1930 hein, et qui a trouvé de l'hydrogène. Là, vous voyez, pas très profond lui non plus, hein, entre 200 et 500 mètres de profondeur. Il a trouvé entre 74 et 84% d'hydrogène. Il y a un peu d'oxygène, donc si on fait une correction à l'air, c'est encore plus, on arrive à presque 90% d'hydrogène. Donc c'est là qu'actuellement se situe le grand rush pour prendre des permis. Les gens ont compris depuis 2 ans qu'on pouvait produire de l'hydrogène naturel. Le marché, il est là. Et donc les pays qui ont adapté leurs lois pétrolières pour qu'on puisse prendre des licences, elle récupère beaucoup, beaucoup d'investissements. En Australie, c'est le cas. Ça, c'est les puits. Les zones rouges, c'est les endroits où il y a ces traces d'émanation. Les étoiles, c'est les puits anciens qui ont déjà trouvé de l'hydrogène, mais qui n'intéressaient personne à l'époque. Alors, pourquoi il y en a, hein? C'est encore une fois, c'est des roches riches en fer. On est dans des vieux cratons. Et vous avez là toutes les bandes de Tyrone Formation en rouge et toutes les mines de fer en les petites croix blanches. Donc il y a toutes les roches mères hydrogène potentielles dans la zone. Là, vous voyez l'âge moyen des bifes et ça vous donne une idée des endroits qui, a priori, ont un grand potentiel. Donc il y a le Minas Gerais au Brésil, il y a l'Afrique du Sud et puis il y a tout ce qui est l'Australie de l'Ouest autour de Perth et autour d'Adélaïde. Il y a un autre moment sur Terre où on a fait pas mal aussi de bandes de Tyrone Formation, c'est pendant les périodes de snowballers. Parce qu'à ce moment-là, de nouveau, il n'y avait pas d'oxygène dans les océans et le fer a pu se concentrer. Ici, vous voyez à quoi ressemblent ces fameux bifs. C'est très, très riche en fer. On pourrait se dire que le fer, il est déjà oxydé, puisque ça s'est déposé au fond de l'eau, mais ce n'est pas le cas en fait. Souvent, il reste énormément de fer 2 qui peut s'oxyder en fer 3. Là, vous voyez une mine de fer en Afrique du Sud, et vous voyez tous ces ronds autour qui sont pour moi la trace des émanations de gaz qui se forment. Et ça prouve aussi que la réaction, elle n'a pas besoin d'une température très élevée, puisque c'est proche de la surface là. Je vous ai parlé de radiolyse tout à l'heure. Ce qui est intéressant avec la radiolyse, c'est que ça génère de l'hydrogène s'il y a de l'eau à proximité, mais ça génère aussi de l'hélium. L'hélium, comme vous le savez, est un gaz qui vaut très cher. Vous en produisez un peu grâce à vos trains de liquéfaction en Algérie. Et sinon, en Europe, on a zéro production d'hélium. Donc, il y a une grande fébrilité en ce moment pour trouver de l'hélium, vu les tensions internationales pour tout ce qui est matière première. Et en Australie, il y a un bassin où les gens, en forant pour trouver du gaz, en fait, donc c'est un bassin qui est au centre de l'Australie, qui s'appelle Amadeus, qui est lui aussi un bassin très ancien. Le sel, il est néoprotérozoïque, 600 millions d'années, et en dessous, il y a un système pétrolier qui fonctionne. Mais quand les gens ont foré, il y avait un peu de méthane, mais il y avait aussi de l'hélium et de l'hydrogène. Donc ça, c'est un bassin très, très prometteur. Et bon, ils ont mis quelques années à s'organiser. C'est la compagnie Santos qui a foré ce puits. Et maintenant, ils doivent forer 3 puits l'année prochaine pour essayer de commencer la production d'hélium et d'hydrogène là-bas aussi. Il y a d'autres compagnies hein, qui ciblent ce genre de bassin où ils pourront trouver à la fois de l'hélium et de l'hydrogène. Il y a un exemple, Desert Montagne aux États-Unis et 45-8, je vous disais, en France.
Et pour la maturation tardive des roches-mères, encore un exemple qui vient de l'Australie. Là, vous voyez le bassin de Cooper, qui est un vieux bassin gazier. Et ils ont fait les calculs, comme un Roqueval, donc sur la maturation tardive. Là, c'est des roches-mères de type 1 avec du charbon. Et ça leur donne aussi un potentiel en hydrogène très important, avec des milliards de tonnes, des milliers d'années de la production. Alors, savoir si on va le récupérer, si c'est accumulé, c'est encore une autre question. Mais au niveau de des potentiels de génération d'hydrogène dans le sous-sol, plus personne n'a de doute. En Australie, vous voyez, il se publie déjà ce type de carte où vous voyez le potentiel au niveau de l'Australie en tenant compte des différentes réactions possibles. Et là, vous voyez les permis d'exploration d'hydrogène qui ont été déjà demandés et pour certains donnés dans la zone d'Adélaïde. Donc tout à l'heure, je vous ai montré les rondes sorcières sur la zone de Kangaroo Island et là en jaune. Donc ça, c'est des permis qui ont été pris par une compagnie qui s'appelle Gold H2 et qui a un peu tiré les premiers pour demander des permis. Mais de toutes les autres, c'est ceux qui... Donc eux, ils les ont déjà et ils vont forer en 2023. Et vous voyez ensuite toutes les demandes de permis. Maintenant, il y en a un autre qui a été donné, là, H2X. Et alors, les autres... L'Australie est un État fédéral, les autres régions n'ont pas toutes encore adapté leur loi minière pour permettre l'exploration, production d'hydrogène, mais l'Australie du Sud l'a fait et voilà le résultat. D'autres exemples aux États-Unis, ce qui se passe, donc vous avez au Mali, je vous ai dit, aux USA, donc la compagnie Natural Hydrogen Energy a déjà foré au tout début du Covid pour un premier puits dans le Kansas et je crois qu'ils sont en train de faire le second. À Djibouti, j'ai travaillé avec l'ODEC, l'Office djiboutien de la géothermie, pour essayer de faire une production mixte, géothermie et hydrogène. En Espagne, la compagnie Helios a regardé aussi toutes les anciennes données pétrolières, a vu que dans certains puits, il y avait de l'hydrogène et ils ont repris le permis pour chercher ça. Et donc, je vous disais, montagne déserte, là, vous voyez une image de leurs opérations. Et ils sont très actifs, ils ont déjà foré, je crois, 8 puits. Et vous voyez que ce qu'ils trouvent, bon, il y a beaucoup d'azote, mais il y a quand même 4% d'hélium et 4% d'hydrogène, en gros. Et du coup, c'est 4% d'hélium, c'est énorme. Hein, comme l'hélium, ça vaut plus de 2000 euros le kilo. C'est évident que... ils vont le produire en priorité, puis ils produiront l'hydrogène aussi. Ils ont déjà testé leur puits, etc. Et là, ils sont en train de faire le commissioning de l'usine quelque part pour séparer l'hélium et le comprimer et pouvoir le vendre. Il y a d'autres initiatives, pas seulement par les compagnies opératrices, mais par les compagnies aussi qui vont faire du service et puis par les centres de recherche. Donc, on a en Europe quelque chose qui s'appelle EarthH2 qui s'est créé, qui essaye de fédérer un peu toute la profession. Et maintenant, il n'y a plus que ce soit en Amérique du Sud, en Europe, il n'y a plus un congrès à APG sans qu'il y ait une session hydrogène, alors qu'il y a 2 ans, c'était complètement inconnu. Donc, vraiment, ça va très vite. Donc, mes conclusions, c'est que... j'espère que je vous ai convaincu que maintenant, on sait qu'il y a de l'hydrogène qui est généré tous les jours dans un certain nombre de contextes géologiques, mais la liste n'arrête pas de s'allonger. Et on a la possibilité aussi parfois de faire un blend, enfin, on appelle ça un blend entre nous, un mélange hélium-hydrogène et éventuellement méthane, ce qu'ils ont trouvé dans le bassin d'Amadeus. Et on vient de voir que au niveau de l'Arizona, c'était un blend hélium, hydrogène et azote. Et voilà, juste pour vous dire que je ne suis pas du tout toute seule évidemment à travailler là-dessus. À la fac et à l'UPPA, autour de moi, il y a une dizaine de personnes maintenant. Je travaille avec le CSIRO en Australie, au Brésil avec Geo4U, toujours un peu avec Engie et avec l'IFP. Et je suis là pour vos questions maintenant.
Merci, merci infiniment pour le cours, madame. Vraiment, c'était très, très intéressant, surtout que vous nous avez fait une mise à jour sur l'exploration de l'hydrogène et ce qui se fait un peu partout autour du monde. Et surtout la corrélation avec les géologies. En tant que géologue et géophysicien, c'est vraiment important et c'est très important de comprendre la corrélation entre la production ou bien l'existence de l'hydrogène et la géologie régionale. Donc, je rappelle notre audience qu'on est en direct et que vous pouvez poser vos questions dans l'espace commentaire, que vous soyez sur YouTube, via Facebook ou LinkedIn. On va d'ores et déjà prendre quelques questions. Je peux voir quelques questions ici. Donc, je vais prendre une question d'abord de Facebook. Alors, la première question, quel serait l'apport de la géophysique pour l'exploration des fairy circles? Y a-t-il moyen de mapper les quantités d'hydrogène en subsurface avec de la sismique ou autres outils géophysiques? Alors, merci de la question. Donc, en effet, on aimerait bien avoir des outils pour voir l'activité de ces rondes sorcières. Alors, je ne sais pas si on va mesurer le flux avec la géophysique, mais si la géophysique pouvait nous dire celui-là, il est particulièrement actif, etc., on aimerait bien. Après, souvent, au début d'une industrie, les gens sont quand même moins riches que l'industrie pétrolière. Et donc, ils s'orientent plus pour l'instant vers de la sismique passive et aussi des choses liées au bruit. Vous savez que ça a une bonne finesse, etc. Donc, c'est là-dessus que les gens s'occupent. Aller faire de la sismique 3D autour d'un autre petit rond, bon, ça pourrait être sympathique, mais c'est beaucoup d'argent quand même. Donc, les gens, mais en sismique passive, oui, en France, des gens comme des anciens de la CGG, Géolink, il y a Stripe aussi, ils ont des offres déjà dans ce domaine. Merci, madame. Donc, juste une petite question. Lorsque vous parlez de sismique passive, c'est H over V, c'est Micro Tremor Survey ou c'est autre méthode? Oula, moi je suis très géologue, vous savez. D'accord, merci. On va essayer de prendre une autre question de notre audience. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions en direct sur l'exploration et la production de l'hydrogène naturel. Donc, une autre question de Facebook. Merci pour la présentation, docteur Moretti. On sait qu'il existe plusieurs complications liées à la production des hydrates de méthane, par exemple. Quels sont les risques qui peuvent être associés au forage ou à la production de l'hydrogène naturel? Alors, l'hydrogène, c'est un gaz qui s'enflamme et qui peut exploser. Si vous avez une fuite de méthane, bon, c'est embêtant, hein, mais surtout si vous êtes en mer et que votre plateforme, elle coule, mais il ne va pas s'enflammer tout seul. L'hydrogène, en contact avec l'air et l'oxygène, c'est parti. Donc, c'est clair qu'il faut pas avoir de fuite. Après, l'industrie n'est pas complètement débutante dans le domaine. Il y a des stockages souterrains d'hydrogène qui se font depuis déjà des années autour des raffineries au Texas. En Europe, on en a une grande en Angleterre et il y en a aussi dans l'est de l'Europe. Donc, avoir des puits et pour injecter de l'hydrogène, soutirer et ressoutirer de l'hydrogène du sous-sol sans fuite et sans accident, l'industrie sait faire. Géostock, ils en gèrent, etc. Actuellement, en Europe, il y a différents tests, puisque de toute façon, qu'il soit naturel ou pas, l'hydrogène, on va devoir le stocker en grande quantité si on veut qu'il rentre vraiment dans le mix énergétique. Donc, il y a un certain nombre de pilotes, de stockage et de soutirage d'hydrogène en cavité saline qui sont en train d'être faits. Et voilà, l'industrie de tout ce qui est forage, complétion, se met en place autour de ça. Et au niveau de compagnies comme Schlumberger, on commence aussi à travailler avec eux pendant le forage pour voir si. Parce qu'on peut créer aussi un peu d'hydrogène nous-mêmes, déjà avec le casing, si on l'oxyde, et puis aussi en forant. Donc c'est important pour les opérateurs, s'ils ont des kits d'hydrogène dans le mud logging, de savoir si c'est de l'hydrogène naturel ou si c'est un hydrogène qui vient de générer.
Et donc, Schlumberger travaille là-dessus, par exemple. Donc, voilà. Merci, merci pour votre réponse, madame. On va essayer de prendre une autre. Je vous rappelle à notre audience qu'on est en direct et vous pouvez toujours poser vos questions dans l'espace commentaire. On va prendre une autre question, cette fois-ci de LinkedIn. Merci, docteur, pour votre présentation constructive et riche. Ma question est la suivante. En parlant de stockage, d'ailleurs, hein, on parlait juste de stockage. Le stockage souterrain de l'hydrogène peut-il provoquer une réactivation d'une faille et déclencher un tremblement de terre? Si c'est le cas, est-ce que les études du potentiel du glissement de la faille par des modèles géomécaniques suffisent pour éviter ces risques dans des endroits de stockage naturel? Peut-être un petit mot sur le stockage et l'effet géomécanique de l'hydrogène, si vous avez des informations. Alors, pour l'instant, tous les stockages d'hydrogène pur dans le sous-sol, ils sont en cavité saline. Donc, ce n'est pas traversé par des failles. Et ça n'empêche qu'on a besoin des géomécaniciens, parce que les stockages en cavité saline qui sont utilisés, par exemple, par Terrega ou Storengie en France, en général, ils sont remplis une fois par an, et puis vider aussi sur une échelle de temps qui est assez longue. Si on commence à, par exemple, si on a de l'hydrogène qui vient des électrolyseurs, à mettre de l'hydrogène dans la cavité saline tous les jours et puis le faire ressortir toutes les nuits, ça va faire un type de sollicitation des parois de la cavité saline complètement différent. La plupart des rhéologies sont dépendantes de la vitesse à laquelle on sollicite la roche. Et donc, beaucoup de travaux portent là-dessus en ce moment. Savoir comment les cavités salines vont réagir, non pas en tant que par rapport à des failles, mais sur des sollicitations de variations en pression rapides. Ensuite, l'hydrogène va se comporter différemment d'un gaz comme le méthane, parce que c'est un gaz très léger. Dans les stockages, il y a toujours un gaz tampon et qui ne va pas ressortir. Et le pourcentage du gaz tampon par rapport au gaz sera beaucoup plus importante sur l'hydrogène. Donc les gens travaillent là-dessus aussi, voir si on peut faire un mixte avec du CO2 et de l'hydrogène. Voilà. Et une autre problématique liée au stockage d'hydrogène en souterrain, c'est que l'hydrogène, c'est vraiment du caviar pour la plupart des micro-organismes. Et que donc, si on injecte de l'hydrogène en sous-sol, que les micro-organismes se goinfrent et qu'à la fin, on a du méthane ou pire de l'H2S, les opérateurs ne vont pas être très contents. Donc, c'est là-dessus qu'il y a le plus de travaux. Merci, merci pour votre réponse, madame. On va prendre une dernière question de notre audience sur LinkedIn. Quel est l'intérêt économique côté investissement des ellipses d'hydrogène naturel? Peut-être qu'on parle des fairy circles. Peut-être un petit mot sur l'intérêt économique d'explorer les fairy circles. Ou bien c'est pas encore. Je ne sais pas si c'est un domaine qui est déjà l'intérêt économique. Ouais. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que toutes les startups ou les grands groupes avec lesquels je travaille, ils ont la même analyse. Hein, c'est que la probabilité pour que l'électrolyse devienne compétitive par rapport au steam methane reforming, elle est faible. La probabilité pour que l'hydrogène naturel devienne meilleur marché que l'hydrogène du steam methane reforming, elle est énorme. Donc la question, c'est plus quelle quantité d'hydrogène on va trouver que l'économie du système. Après, par rapport aux ellipses et aux rondes sorcières, bon, actuellement, on en parle beaucoup parce que c'est ce qu'on voit en surface, mais on est au tout début de l'histoire. Donc, quand on a commencé l'exploration pétrolière, les gens, ils ont regardé où est-ce qu'il y avait des oil seeps et puis ils ont foré à côté. On en est un peu là, mais dans quelques années, on ne forera pas du tout à côté des rondes sorcières. Les rondes sorcières, ils nous rassurent parce que ça nous dit qu'il y a un système hydrogène qui est en train de fonctionner dans la zone. Mais il ne s'agit pas de mettre une cloche au-dessus du ronde sorcière. C'est un gaz-ci. Très bien, merci pour votre réponse, madame. Donc, avant de conclure notre webinaire, j'ai personnellement une petite question que je voulais vous poser.
Vu le contexte géologique en Algérie, on a différents environnements géologiques, depuis des bassins sédimentaires jusqu'au craton ouest-africain, par exemple, et le plissement du Nord. Selon vous, où est-ce que, quelles sont vos prédictions, où on pourra potentiellement trouver de l'hydrogène dans le contexte géologique algérien? Est-ce qu'il faut voir au niveau des bassins ou bien au niveau de la suture ouest-africaine ou au niveau de l'Atlas? Oui, j'avoue que je connais la géologie, un peu la géologie pétrolière de l'Algérie, mais pas du tout assez pour vous répondre. Mais voilà, en y passant une journée ou deux, on peut déjà, on pourrait préciser les choses. En tout cas, vous avez des bassins sédiments, des bassins pétroliers assez overmatures. Donc, ça vaut le coup de regarder dans vos données pétrolières s'il n'y a pas un peu d'hydrogène qui avait été mesuré, parce que depuis ces dernières années, beaucoup de DGC, ils prennent l'hydrogène comme gaz vecteur, donc on a pu la donner. Mais souvent, les anciennes données montrent de l'hydrogène. Et puis après, si vous avez des mines d'uranium, vous pouvez regarder à côté aussi, et peut-être au sud, vers le craton aussi. Enfin bon, il faut mettre un peu soit d'étudiants, soit de gens qui ont un peu de temps sur la question, et puis vous aurez un début de réponse. Et puis les capteurs d'hydrogène de terrain, c'est très facile, ça s'achète sur le marché. Et, actuellement, vos voisins, le Maroc est en train de faire une estimation du potentiel. En Nouvelle-Aquitaine, c'est même les politiques qui nous ont demandé de faire une estimation du potentiel de la Nouvelle-Aquitaine avant que l'industrie, s'y mette, quoi. Voilà, merci madame. L'appel est lancé. Il y a beaucoup de travail à faire pour les géologues et les géophysiciens. Donc voilà, je vous remercie encore une fois madame pour l'excellente présentation et personnellement j'ai appris beaucoup de choses. Nous remercions aussi notre audience d'avoir participé avec des questions ici très instructives aussi. Voilà, je vous dis merci encore une fois. On remercie docteur Isabelle Moretti pour la préparation et pour le temps de partager cette présentation sur l'exploration de l'hydrogène. On se dit, voilà, donc ça va être le dernier webinaire pour cette année. On n'a pas encore décidé d'autres webinaires pour l'année prochaine, mais on vous tiendra au courant. Il suffit juste de rester sur la page d'INAS, International Network of Algerian Scientists, et vous aurez des nouvelles de notre projet. Merci encore une fois, madame, et je vous souhaite une très, très bonne fin de journée. Merci pour l'invitation et bonne fin d'année. Alors maintenant, puisqu'on rentre en décembre. Voilà, bonne fin d'année aussi. Merci. Au revoir.